Bienvenue à l'Église Jésus-Christ, roi des nations, pour ce nouveau résumé du culte du 4 juillet 2021, pour thème « L'amour, c'est un choix ». Nous sommes dans Actes 19, versets 23 à 26. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. » Dans ce chapitre, on nous raconte que dans cette ville, il y a des personnes qui adorent des dieux fabriqués par l'homme. Et Paul avait pour mission de leur faire comprendre que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Que vous voyez là, que les gens adorent, on ne comprend pas pourquoi ils sont attachés à cela. C'est parce qu'ils ont choisi. Ça veut dire, quand Dieu te dit « aime-moi », c'est parce que tu as le choix. Et quand Dieu te dit « aime ton prochain », c'est parce que tu as aussi le choix. Et quand tu ne le fais pas, tu as choisi de ne pas le faire. Ou quand tu le fais, tu as choisi de le faire. L'amour, c'est un choix. Lorsque Dieu a déposé des sentiments pour quelqu'un, cette personne sent qu'elle aime, mais lutte. Cette personne refuse. C'est un choix. Mais au fond de cette personne, elle est amoureuse, mais fait genre. C'est son choix. L'amour, c'est un choix. Que la mort et la vie, elles sont devant toi. À toi de choisir. L'amour, ça se choisit. La haine, ça se choisit. Quel est ton camp? La jalousie, la convoitise, c'est un choix. Quand je garde la parole de Dieu, je choisis de le faire. Et quand je ne la garde pas, je choisis aussi de ne pas le faire. L'enfer est un choix de la liberté. C'est-à-dire, tu étais libre d'aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Tu as choisi. L'amour, c'est Jésus. Tout se ramène à Jésus-Christ.